Ah, voilà. Là, c'est bien, c'est bien. Merci. Bravo Joe. Ah, Joe. Bravo. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Il a eu une petite alerte en concédant le premier sa mise en jeu. Et après, il a été exceptionnel de constance, de force, de prise d'initiative. Et c'est terminé pour Roger Federer. Les deux là se connaissent bien. Et le sourire est sur les deux visages. Joe Tsonga, le 10e français de l'ère moderne, en demi-finale à Roland Garros. Il a peut-être dû penser aux balles de match face à Djokovic, les 4 balles de match qu'il avait concédées face aux Serbes. Mais là, cette fois-ci, il était vraiment au-dessus, largement au-dessus.